Et coucou tout le monde! C'est Lucien, alors aujourd'hui on se retrouve. Hop! Pour la suite de l'aventure Rushcraft. On s'était arrêté à l'épisode. À chaque fois je m'embrouille. 14. Non, 13, 13, 13. Et aujourd'hui c'est l'épisode 14, c'est ça. Et donc, pour l'épisode 14, on devait continuer notre périple à travers les terres de Zepharin, où on avait déjà pas mal avancé. On avait trouvé un château, on avait trouvé une salle du bœuf, on avait trouvé téléporteur. Il y avait pas mal de choses. Et donc aujourd'hui, on va continuer l'aventure. Je vous rappelle que dans la dernière vidéo, on s'était stuff avant de se déconnecter. Donc, je pense que je suis complètement prêt. J'avais réparé mes arcs, j'ai mis Power 2, j'ai fait même une belle épée Sharpness 2, Unbreaking 2, qui va bien me servir. Ça, au cas où, pour changer. Ça peut servir aussi quand il y a des vagues de mobs. Et puis le reste, je pense que c'est bon. On a tout. Alors allons-y. Moi j'ai de la place dans mon inventaire aussi, ça va être pratique. Alors, on a un téléporteur directement ici chez Zepharin. Zepharin Sands. Pouf. On atterrit sur l'île normalement. Regardez la lune. La lune qui est fixe. C'est bon. Alors j'attends que ça charge un peu. Faut que ça charge bien. L'app, je crois que c'est bon. Donc, on avait fait cette zone ici. De quel côté je suis là? Le château il est où déjà? Je crois que le château est là-bas. Ou là-bas? Ah non, il est là-bas. Donc nous, la dernière fois, on avait fait ce côté-là. Et on va le continuer. On va essayer de faire le tour avant d'aller au château. Je voulais essayer de le faire dans l'épisode précédent, je me rappelle. Mais j'y suis pas vraiment arrivé parce que c'était très long. Il y avait des choses un peu compliquées après. Mais bon, là on va essayer. Il faut juste du courage. Et la cobble en l'air, c'est bizarre. Donc, cette ville, on n'était pas allé très loin. On avait quand même, on était quand même rentré dedans, apparemment. Ah oui, si je me rappelle, c'est la ville au blaze. Il fallait vite rentrer pour protéger la ville de l'invasion de blaze. Ah, je l'ai tué en deux coups avec cette épée. Ça c'est cool. Oh, j'ai pas vu ça. Donc là il y a des guerriers de Zepharin, faut faire gaffe. Du melon, j'en ai déjà plein. Je vais pas le prendre. Là-dedans il me semble que j'avais tout ouvert. Ah, ça c'est mes réserves. Au cas où je venais à mourir. Ah, j'ai pris pas mal de réserves quand même dedans. Voilà. Là on avait fait un peu le tour. Je rappelle que le toit s'était fait aussi. Et j'étais allé un peu vers cette maison là pour péter ce qu'il y avait dessus. Et on n'était pas rentré dedans. Donc allons-y. Bon, ça a l'air assez simple. Ils ont pas encore spawn. Donc faut en profiter. Là il y avait un coffre que j'ai dû déjà vérifier. Ah non, je l'avais arrêté là je crois. Protection 2. Oui, j'ai dit que j'allais prendre les livres. Une petite épée. Et puis le reste, c'est bon. Le cuir, oh, on en a déjà plein, on va le laisser. Voilà. Donc ça c'était fait. Ouh. Je saute sur les toits. Là où on l'avait fait aussi, on avait fait le toit. Il manque cette grosse tour ici. Ouf, c'est quoi ça? Il y a un trou dans le village. Limite ça fait flipper. Ouah. Welp. Parce qu'on... je régène. Alors, on va monter. Je sais pas ce qu'il y a là-haut, j'espère que ce n'est pas un piège. Alors... c'est juste une tour de guet. Aïe. Je vois d'où il sort. Ah bah alors, on a une jolie vue sur le château, waouh. Effectivement, elle a l'air grand. Donc voilà. Toutes les petites terres qui nous restent, là il nous reste pas grand chose. Je vois des spawners. C'est pas un spawner à blaze? Non, ça va. Et puis c'est tout, ça permet d'avoir un petit aperçu. Là il y a une genre de grotte, un peu bizarre, avec une flèche qui disait d'y aller, mais je sais pas si c'est une bonne idée. On va rester dans l'objectif qu'on s'est fixé, c'est-à-dire faire le tour de la zone. Et après, soit on ira faire le château, soit on ira faire le trou. Le gros trou. Ah, ici on peut pas monter. Bon, je regarde s'il y a du charbon.
Ça peut servir. Si on a besoin de torche en cas d'urgence. Tac. Ah ah, je t'ai entendu. Zombie. Voilà. Il y a un coffre. Oh, un coffre à émeraude. Je crois que c'est notre troisième émeraude. Il me semble. Donc ça avance bien. Aïe. Ah, là-bas. Un spawner. Ouf. Ouh là là. Ok, ils sont tous tombés du toit. J'espère qu'il n'y en a plus trop. Je vais essayer de les avoir à l'arc. Je sais pas où ils sont. Je crois qu'ils sont en train de monter. Hop là, donc je reviens vite ici. Je switch entre les deux toits. Bon, bah s'ils sont tous tombés, il devrait plus y avoir personne en haut. Non. Eh, tant mieux. Voilà, un petit coffre. Oh, du fer. Protection 2. Une efficiency 2 en pioche. Ça peut servir parce qu'elle n'est pas une breaking la mienne. Et voilà. Je vais aller prendre l'émeraude tout de suite. Je crois qu'il y avait. Il n'y avait pas un. Ah non, c'est le spawner, oui, qu'on voyait. De tout là-haut. Je crois que c'est ceux qui sont tombés. Hop là. Oula, je crois qu'ils m'ont vu. Ils vont arriver. Ou pas. Non, ils m'ont peut-être pas vu. Alors, je vais vite faire l'autre maison en face. Sauf qu'il y a le trou en fait en plein milieu. Oh. Il y a un mec pas gentil là, qui fait très mal. On va l'éviter. Je sais pas d'où il sort d'ailleurs. Il doit y avoir un spawner pas loin. Ça, c'était fait. Je vais longer ce trou. En essayant de ne pas tomber dedans. Là il y a une petite maison. Ouh, avec plein de mobs d'ailleurs. Cassez-vous. Où qu'il est. Stop. Je me prends des flèches. Je sais pas d'où, mais je me prends des flèches. Je vais être mal en point. Surtout si je me fais exploser comme ça. Hop. Eh, ils m'en veulent. Voilà. Toi là-bas, je t'ai vu, c'est lui qui me tirait des flèches. Et toi là, tu crois que je t'ai pourvu? Zut, je l'ai raté. Je régène. Bon, c'était bien protégé. C'est juste parce qu'il y a l'obscurité, je pense. Si j'enchaîne les mobs, je les tue plus facilement, hein, c'est grâce au buff. Ouais, si j'en tue un et j'en tue un autre, ça marche pas tout le temps. Mais voilà, c'est toujours un coup des fois. Donc c'est plutôt pratique. C'est quoi tous ces gens? D'où sortez-vous? Oh, je vois un spawner. Ah, creeper. Hop là, je vais éclairer un peu. J'ai cru que j'allais pas l'avoir. Il y a quelqu'un là. Bim. Alors d'où il sort ce squelette? Je pense qu'il y a un autre spawner. Déjà il n'y a pas un spawner ici. Hop. Voilà, il a spawné pile au bon moment. Régène. Il doit y avoir un spawner à squelette pas très loin. Dans les environs. Mais je sais pas trop où. Je cherche. Quoi? Ah zut, j'ai tiré l'Enderman. Aussi, il est venu en même temps que le squelette. Quoi?
quand je me fais dégringue. Non. Et meurs. Saleté. Ah ben voilà, il m'a donné ça. Toc. Est-ce que j'ai récupéré la bouboule? Oui, c'est bon. Phew. Que d'action. Bon, ça c'est fait. Alors, j'ai pas trouvé d'autres pointeurs. Si, il y en a un là. Bon, ben voilà. Wouah. Il y en a de partout. Faut vraiment que je fasse gaffe de pas péter tout le décor. Parce que c'est pas cool. Bon, j'ai éclairé un peu le tour. Là, je vois beaucoup de cobbles, mais il n'y a pas l'air d'avoir d'autres spawners. Je vois un coffre. Je vois plein de squelettes. On va les éliminer un par un. Lui, il a spawn ici. Je sais pas pourquoi. Ah ben, si, en fait, je sais pourquoi. J'ai chaud qu'il m'ait pas spawné juste à côté de moi et qu'il m'ait pas vu. Et tous ces squelettes, je sais pas d'où ils sortent. Oh, l'esquive. Bon. Alors, y'a quoi dans cette maison là? Ouais, pas grand chose. Juste un spawner. On manque un peu de flèches. Va falloir que je pense à fouiller les fours. Non! Je l'ai pas tapé. Hop. Un coffre ici. Je vais monter avant que ça spawn. Je regarderai le coffre après. Tiens, c'est éclairé ici. J'ai dû déjà y aller. Ah oui, c'est vrai, c'est quand j'avais switché de toit en toit. Ok, et en haut, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Et il y a lui là que je vais me faire. Hé, tricheur. Mais... Alors... Donc, les coffres. Antidote. Ah, des torches. C'est ce que je cherchais. Plein de torches. Des bouteilles d'XP. Un livre Unbreaking. Ah, ça c'est cool. Ça, j'ai pas besoin. Ça non plus, ça non plus, ça non plus. Voilà. Et une épée Sharpness 1. Jagged Cyber. Un sabre. Jagged. C'est. Enfin, voilà, je sais plus. Jagged, ça veut dire. Tranchant, il me semble. Protection 1, Unbreaking 3. Le casque du gardien Zephyr. Arcane Shovel, Efficiency 2. Ouais, petite pelle, ça me sera pas utile. Ça en stone, non, je suis de cobble. Regardez toute cette cobble. Je vais en prendre un stack. Et puis voilà. Là-dedans, il y a des stone bricks. D'accord, ils essayent de faire cuire la stone brick. Sauf que ça se cuit pas. Et puis ici c'est bon, il y a plein de squelettes dans l'eau. Bon voilà, on a fait un peu le tour. Le trou, on va peut-être y aller dans cet épisode ou peut-être pas. Ça dépend le temps que j'ai. Puis là-bas je vois un spawner de blaze, il me semble. Ah non, juste de squelettes. On va essayer de l'atteindre avant que ça respawn. En rushant un petit peu. Oula, il y a un spawner de Ghast carrément. Ça rigole pas. Et zut, je l'ai fait spawner. Ouah. Il m'attaque, il m'a vu. Je vais pas le laisser faire. Casse pas tout. Ah, le vilain. Ouais, t'as eu chaud.
Bon, faut qu'on aille vite là-bas à détruire ce spawner de ghast. J'aime pas du tout les ghast. Je vais faire le tour par ici. Ça va être très difficile. C'est bon. Oh, je vois un coffre d'émeraude. Il va pas le péter, j'espère. Wow, une flèche. Ça spawn beaucoup. Hop là. Alors. Ça c'est fait. Toi je t'ai entendu venir. Toi, je crois qu'il m'a vu lui. Il y a un mec là-bas. Bon, pour ici c'est bon, c'est à peu près safe. Je vais prendre l'émeraude peut-être, je vais juste essayer de me faire ce mec. Il faudrait que je défonce les ghasts. Sinon ils vont venir, ils vont tout péter. Ah oui, il y a un autre mec là. Alors. L'émeraude. Oula. Ouais. Pas tout de suite. Ils font mal en plus. Je l'aime pas. Est-ce qu'il va mourir assez facilement? Parce que là, je suis en train d'utiliser toutes mes flèches. Bon, ça va, j'en ai encore 28. C'est bon. On est tranquille. Pour ouvrir ce coffre. Enfin. Gaffe au spawner qui approche. Bon, ça va, on est bien avancé. Est-ce que je suis allé voir le quai là-bas? Je crois pas. Je vais aller vérifier. Et ouais, le monstre ici, je sais pas d'où il sort, il doit y avoir un spawner dans les parages. Mais je sais pas vraiment où. Oh. Wow, pas grand chose. Un peu bizarre. Juste, est-ce que dans le trou, c'est un passage pour une autre zone ou c'est juste un coffre peut-être? Ouais, ça va assez profond, je pense que c'est une autre zone. On fera ça bientôt. Là, faut que je finisse le tour pour rejoindre où je m'étais arrêté dans l'épisode 12. Donc voilà. Un zombie avec une pelle. Un squelette. Squelette là aussi. Ouah. Mais je crois qu'ils ont juste spawn, il n'y a pas de spawner. Ils ont spawn dans le noir naturellement. Là je vois un zombie. On va essayer de progresser tranquille. Trois squelettes. Trois creepers. Wouah! Alors elle, je l'ai pas vu venir. Heureusement, elle m'a pas empoisonné longtemps. Les sorcières, c'est vraiment pas gentil. Bon, ça c'est bon. Je pense pas qu'il y ait de spawner à creeper sur cette montagne. Enfin, j'espère pas. Et j'entends encore un squelette qui traîne.
Mon épée, ça va, elle tient le coup. Elle est bien résistante. Bon, j'essaie de le faire reculer, il a pas reculé. Ouf. Tous ces creepers. J'ai vu le spawner, mais bon. Bon, tous les spawners. Les creepers vont me suivre. Faut que je me mette à l'abri. Coco. Ouais. Il y a un trou. Si je leur lance, c'est ça. Peut-être que ça les calmerait. C'est bon, ils sont morts. Alors. Vite ce spawner. Ok, il y en a un qui me spawn bien dessus. Qui m'explose. Et après il y a un petit zombie. C'est bon, ils sont en train de mourir. Pas de crainte. Toi, tu meurs aussi. J'essaie de trouver l'entrée de cette petite maison. J'entends des blazes. Je pense que c'est une des dernières petits villages comme ça là. Où est l'entrée en fait? Là-bas. Et je ne suis pas seul. Ouah, c'est qui lui? Il y a un méchant bonhomme. En fait, il y a plein de trucs. Et je peux plus courir. Ouah, il me course. Et stop. Qui es-tu? C'est Faren Tyran, d'accord. Je vais le tuer. Ouah. Ah ouais, il fait mal. En plus, il ne meurt pas cette saleté. Et il a rien de rope. Bon bah super. Je vais reculer, regen. Et faire une petite stratégie. Donc ouais, on a un des villages. C'est des derniers, il a pas l'air si compliqué, mais bon, il y a pas mal de choses, pas mal de spawners. Regardez les toits, je vais essayer de m'infiltrer par ce toit là. Ça va être juste difficile de monter. Je vais monter par là, pouf. Passer sur le toit, tout casser. Là-bas il y a l'air d'avoir moins de spawners. Lui par contre il m'a vu. Non pas toi, le blaze. Tac. Et là on va faire cette petite stratégie. C'est parti. Hop, j'essaye de monter au max que je peux. Il faut que je fasse gaffe. Je vais pas me faire pousser. Tac. Toi, boost. Spawner à blaze, c'est bon, c'est fait. Là, il y a un petit blaze, aïe, pas gentil. Il fait très mal. Mon armure, elle commence à plus tenir le coup, il faudrait un casque. J'ai pas de casque. Torche. Ouais, truc de protection. Il y a vraiment pas de casque. J'en ai 3. Lui, il a power, donc je le prends. Bon, le reste de mon armure a l'air de tenir. De tenir le coup. Oh. Il y a une petite araignée. Il y a plein de mobs. Ouah, tous ces gens. Eh, je peux pas jeter de trucs. Ça va être difficile. Coucou. Je vois une émeraude. Je crois que c'est la quatrième. Magnifique. Hop là, je prends. Troisième. Ah oui, ça fait quand même 3. Donc c'est à dire qu'on a déjà 2, ça fait la cinquième. Sachant qu'il y en a 12. Mais il y a 2 cristaux. Donc je pense qu'il y en a 6 d'un côté et 6 de l'autre. S'ils ont partagé équitablement. C'est la guerre. C'est la grande guerre. Même des silverfish qui se mettent à m'attaquer. Il n'y a plus de respect et je suis en train de mourir. Wait a second. Je vais régène.
Hop là. Bon. C'est pas simple. C'est pas simple du tout. Protection 1, faveur protection 2. Blast protection, il me sert peut-être pas trop, mais bon, j'ai pas de botte de rechange. Bon, je vais pas trop attendre parce qu'en bas ça continue de spawn. Regardez, ils sont déjà venus jusque là. Il y a des blasts qui m'en veulent, mais vraiment. Et eux, je sais pas d'où ils sortent. Les vilains. Quoi? Où sont les spawners? Ouah, mais il y a du genre. J'ai vu un creeper, j'ai vu un creeper. Méchant creeper. Oh, salut. Il y a un spawner dans la bibliothèque, je suis sûr. Là. Bim. Bon, ça c'est bon. Ensuite, là, j'ai pas vu de spawner. Je vois un creeper. Aïe. Ça me revient dessus. C'est pas pratique, mais. Ouh, y'a quoi là-bas? C'est vraiment galère. Ça sort par la porte. Voilà. Là-bas, je vais éclairer parce que ça fait que spawn. Bah. Meurs. Saleté. Toi aussi, meurs. Le spawner à creeper en prims. Puis ça, c'est le spawner à silverfish. Phew! Pendant ce temps, les blazes se continuent de spawn, je crois. Ou alors. Non, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas où. S'il y a un autre spawner de blaze. C'est complètement la guerre. J'espère que vous arrivez à suivre. Je vais monter très vite là-haut. Hop là. Péter ce truc. Merci. Toi, tu me lâches. J'ai envie de régène. J'ai plus que 3 coeurs, donc c'est très dangereux ce que je suis en train de faire. On va essayer de vite régène. Toi aussi tu me lâches. Lâchez-moi, SVP. Je m'en ronge. Bon, là il y avait un spawner à squelette. Bon, je vois un spawner à blaze là-bas. Non, c'est un spawner à petit gardien. À zépharin, un truc, un soldat zépharin, je sais pas quoi. Hop. Wow, 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 wow. Je me fais violer. Ok. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai vu. C'est lui. Le coupable. Faut vraiment que je fasse gaffe à ma vie. En plus, ces mecs-là rigolent pas. Vaut mieux les tuer. Il y a un spawner là, un spawner là. Je vais essayer de les... Ouais, sauf que c'est trop loin. Comment je peux faire? Là je pense que je peux y arriver en sautant. En tout cas j'espère. Non. Disparaît. Hop là. On régène. On y est presque. On est presque venu à bout de ce village. Tous les gens qu'il y a en bas. Oh. Et à ce point je vais pas trop m'approcher. Bim. Toi tu peux pas m'avoir. Je vais essayer de passer par là, mais en espérant que personne ne me voit. Non non, vous ne me voyez pas. On m'a vu. Je suis pas tombé, ouf. Je te détruis, tac. Et je vais aller détruire ton petit spawner. Hop là. Voilà, plus d'archers. On est en paix. Un petit coffre. Ah, des torches. Un casque, je crois que j'en avais plus. Donc c'est encore rien. Je prends et des petites bottes. Ouais, parce qu'elles sont presque cassées les miennes. Voilà. Bon, on est bientôt à 30 minutes d'épisode. Donc je pense qu'on a géré, on va finir pile à temps. Si je meurs pas. Y'a pas de raison que je meure. Ya. Mourez tous. Bande de vilains. Ils sont combien? Ouah. Allez, les silverfish aussi s'y mettent. Hop là.
Oh non, toi je t'aime pas. J'avais dit plus d'archers. Bim. C'est bon. C'était peut-être les derniers. Donc ici on a safe un peu la zone. Par contre il y a beaucoup de creepers qui traînent. Je vois un spawner. Et je vois un creeper. Ouah. J'ai dit non, merci. Par contre ça c'est pas cool si j'ai un point. Ouah, c'est quoi tout ça? Bon, on se barre. S'il y a un creeper qui me prend par surprise, je meurs. Donc j'ai pas envie de prendre de risque. J'ai vu 3 ou 4 spawners là-bas. Et ça continue de spawn, on dirait. C'est vrai que je suis pas descendu en rez-de-chaussée de cette maison. Phew. On dirait pas, mais c'est compliqué. Et encore, c'est que la première zone, hein, mais bon, c'est parce que je l'ai mis en difficulté normale. Il est recommandé de mettre en difficulté easy. Bah, comme je sais que vous aimez le combat, puis j'ai pas l'air de mourir pour le moment, donc on continue comme ça sur cette lancée. Bon, je vais aller péter ce spawner. Après m'être occupé de lui. Hop, pas tout de suite. J'étais prêt à sauter, mais non. Ouais, il y avait un creeper là. J'ai pas rêvé. Aïe. Ouais, ils me suivent tous. Toi aussi, c'est mes. Ouais. Help me. Ah zut. Il a spawn juste à côté de moi. J'suis en train de mourir. C'est quoi tous ces creepers? Non, Diju. Et oui, ils sortent du bassin aussi. Il y a quelqu'un qui me suit. Des archers, reste calme. Je vais y arriver, je vais finir par y arriver. Bon. D'où ça spawn? Toi, reste pas là. Toi, je t'ai vu. Pas genre. Là. Je crois que c'est bon. Non, c'est pas bon. Bon, je regarde le champ. Il y a un creeper qui va sortir de l'eau. Ça, je le sens. Voilà. Juste à côté de moi. J'ai vu d'où t'es sorti. D'ici, pouf. Couché. Il devait y en avoir d'autres pas loin. Parce qu'il était pas seul. Là. On va s'en occuper un par un, tranquille. On va avancer doucement. Hop, bouché. Un squelette qui veut pas mourir. Là je vais rush là-bas puisqu'il a l'air d'avoir personne. Et je reviens juste après. Du coup je sais même pas où était le spawner. Bon. Je crois qu'il n'y a plus de spawner. Est-ce qu'il avait pété? Oui, je crois que je pense qu'il avait pété. Il y a un coffre ici, faut pas l'oublier. Je vais me faire cette salle. Vite fait. Vite œuf. Hop là, je vois une enclume. Ça, je prends en direct. C'est important. Là-haut, je pense que j'y suis déjà allé. Ouais. On va retourner là-bas, vite fait. Casser ce qu'il y a en bas.
ça devrait être mieux. Bon. Les coffres. Torche, granit. Ah, un petit casque bien sympa. Je veux bien. Hop là. Il me faudrait des bottes. Ah bah j'ai celle-là. Et puis le reste, non, pas très important. J'ai déjà plein de choses. Comme j'ai pas trop de place dans mon inventaire, je prends pas tout. Là c'est un truc de potion, mais bon, y'a pas. Ah, si, y a du régène. J'aime bien le régène. C'est une potion de swiftness. On peut la prendre. Un peu de charbon. Voilà. Bien. Je pense qu'on est bon. J'éclaire partout. Je tue les petits mobs. Pas gentil. Voilà. Méchant creeper. Méchante araignée. Et là il y avait 3 spawners. Si j'arrive à les avoir. 3 ou 2. Ok. Je sais pas pourquoi il a pété. Hop. C'est bon. Bon, ben on arrive bientôt à la fin de l'épisode. Je vais juste ouvrir ce coffre. Oh! La faucheuse récolteuse des âmes. Smite 4, looting 1. J'ai bien envie de l'essayer. Si je trouve quoi enlever avant qu'on me prenne par derrière. Est-ce qu'elle est forte, la sharpness 4? Je vais voir. Bon, du coup, là on est devant le château. Ça va, on a fini tous les petits villages. Je pense plus qu'il y ait trop de mobs maintenant. On a fait le plus dur, par contre il y a des blazes. Juste à l'entrée du château, ça c'est pas cool. D'accord. Non, je veux pas mourir. À cause de blazes. Bon bah j'aurais dû arrêter l'épisode avant. Ok, il y a tout qui s'est effondré sous moi. Donc... je vais vite y retourner. Est-ce que je suis du bon côté? Oui. Je vais prendre mon stuff. Et puis on va s'arrêter là. Là je suis même pas monté là-haut. Oh là, il y a plein de trucs ici. Ah oui, c'est quand même haut en fait. C'est quand même bien haut. Je crois que c'est très dangereux, je vais pas y arriver. Non, je vais pas y arriver. Bon. Petite coupure. J'ai réussi à reprendre mon stuff en y allant vite fait et en remontant. C'est juste qu'il y avait plein de creepers dans le trou, donc là même à l'abri je suis en train de me faire tirer dessus. Mais je ne vais pas rager. Je vais aller m'enfermer tranquille. À un endroit où ça craint pas, genre là. Et essayer de me restuff. Bon, j'ai à peu près tout sur moi. Ok, je voulais juste essayer cette petite faucheuse sur un mob. Si cela est possible. Là, je vois un zombie. C'est pour voir en deux coups. Ouais, en deux coups, je le tue. Ok. Bon, bah, du coup, je vais m'arrêter là, sinon l'épisode va durer trop longtemps. Je vous dis à très bientôt. On va essayer de finir cet endroit et peut-être qu'on ira faire le château, peut-être qu'on ira faire le trou. Je sais pas trop. On verra ça dans le prochain épisode. Donc voilà, je vous dis bye bye et à très bientôt.